Tu les pépites RCD, j'espère que tu vas bien. On n'est pas un peu haut là? Nous sommes totalement trop haut, bon sang. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Alors moi je suis extrêmement triste car ma dernière vidéo n'a pas été mise dans les flux par YouTube. Je chantais. Ah c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est le jeu, on peut le dire que c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc voilà, hein, je vous mettrai le lien en description. Donc faites-moi plaisir s'il vous plaît, allez la voir et puis... Les détournements les plus drôles du web 2. Le premier épisode vous a extrêmement plu. Et dans le premier épisode, j'ai été très surpris de voir qu'énormément de monde n'avait jamais vu Star Wars. Alors, il n'y a rien de mal à ça, mais je pensais que... Et alors, j'étais totalement sur le cul. Voilà, on s'en bat totalement les reins. C'est vrai que tu vas me dire... Du coup, je m'étais posé la question, quel était votre Disney préféré? Quel était votre film préféré? Donc, dites-le moi en commentaire, non, parce que vraiment, ça m'intéresse, parce que du coup, j'ai un peu peur d'être has-been. Nous nous en battons les couilles, je ne mettrai pas d'objectif de pouce bleu pour cette vidéo. Si ça te plaît, et que tu veux un épisode 3, bah tout simplement, tu laisses ton petit pouce bleu. Et puis, voilà, enfin, moi, ça me fait plaisir. On est parti? Mais pense à t'abonner aussi. On est bientôt 600 000. Première image, nous nous situons donc sur le Seigneur des Anneaux. Gandalf qui parle à Frodon. Hein. Je vais essayer de pas me tromper sur les noms, sinon je vais me faire... Dans les commentaires. Alors, tu vois quelque chose? Non, rien. Ah si, Made in China. Sale petit volant. Ils m'ont arnaqué. L'anneau était en fait fait par les Chinois. Alors, Horatio. Horatio, la victime a été tuée par les pales d'un hélicoptère. Eh bien, on peut donc dire que ça a mal tourné. Ça a mal tourné les pales d'un hélicoptère. Les pales d'un hélicoptère, ça a mal tourné. Je sais pas si ça je vous le mets. Oh merde. Nous sommes donc il y a jadis sur une représentation de la Renaissance, que sais-je. Je pense que au vu de la couleur pictogrammique du tableau et de l'œuvre, nous nous situons à la Renaissance. À la Renaissance, il faut savoir que la plupart des artistes étaient très vérus de peinture et les peintures représente la société de l'époque. Et nous pouvons donc voir sur la première partie du tableau la mère allaiter son enfant, Catherine de Médicis, diront les plus experts. L'enfant qui a une très sale tête, au passage, nous pouvons le dire. Je suis passe-partout du Fort Boyard, je guide les casse-coups dans les traquenards. C'est un vieux. Non mais on est d'accord, c'est totalement magique cette photo. Tu regardes la tête de la femme qui... Papy ! Suivant ! Ça a craqué ! Pokémon, attrapez-les tous ! Ensemble pour la victoire ! Pokémon, ça nous arrêtera ! Et le rigide triomphera ! Ta gueule ! Oh non ! Les Pokémon sont en train de se noyer ! Et il y a lui. Alors, c'était pas ok. Hein, David Lafarge, dis-moi en commentaire si tu... Il est totalement serein. Hein. Il accepte son destin, il accepte totalement le fait qu'il va mourir. Il veut partir. En paix. Si je dois couler, c'est que c'est mon heure. Regarde-moi dans les yeux. N'ai-je pas l'air heureux? N'ai-je pas l'air satisfait d'être ici? Fuck you! Le suivant, je l'avais déjà vu, mais il faut avouer qu'il est toujours aussi drôle, donc si éventuellement des personnes ne l'ont pas vu, j'ai envie de vous le partager quand même, parce que je pense que ça vaut le détour. Nous sommes donc maintenant sur Harry Potter. Avec 460 points, Serpentard remporte la coupe des maisons. Mais comme c'est moi le boss et que je fais ce que je veux, je donne 50 points à Hermione parce que d'ici 3 ans elle sera bonne. Parce que c'est notre projet. Et maintenant qu'on y est, je donne 50 points au roux car il a une bonne tête de schlag. Parce que c'est notre projet. Et pour finir, je donnerai 50 points au Babtou parce que je l'aime bien ce fils de pute. Parce que c'est notre projet. Eh bien je crois que Gryffondor a gagné la coupe. Monsieur, il y a égalité avec Serpentard. Ah, merde. Bon, vas-y, je donne 10 points à Neville, la petite victime. Il fait de la peine, ce gros tas. Et tu sais pourquoi Neville, il en a une grosse? Parce qu'il est long du bas. Neville, long du bas. Hello. Je tenais à m'excuser publiquement pour ce qui vient de se passer. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Vous connaissez Martine? Mais si, cette petite Martine est Martine à la mer. Face à la mer. Martine torture ses voisins. Martine fait caca au fond du jardin. Martine de noyer son chien. Mais t'es une putain de psychopathe, Martine. Wouah.
Vous savez à quoi c'est dû? C'est parce que je fais trop de montage et du coup j'ai fait une espèce de d'arthrite hydrocéphale de la main. Et Titanic, l'histoire jamais racontée. Bon, vous en doutez, à la fin, le Titanic coule. Elle est sur son petit bout de bois en train de flotter dans la mer glaciale. Jack! Jack, tu es sûr que tu n'es pas monté? Il y a plein de place! Non, c'est bon. Il est en train de se faire sucer par une sirène, putain! Eh oui, je n'ai plus les cheveux verts, hein. Et dans ma précédente vidéo, j'avais les cheveux verts, donc raison de plus. Ouais, parce que tu comprends, j'ai une vie aussi. Alors, tu te doutes bien que si je me ramène au Crédit Agricole, ou à CTLM, ou n'importe où, ou à BNP Paribas, avec les cheveux verts, ils vont me dire, mais, c'est bien, vous êtes dans la couleur de notre entreprise, mais après, voilà quoi, c'est peut-être pas... Bon, bref. Vous connaissez Tintin au Congo? Eh bien maintenant, il y a Tintin en Congo. Et toi, mon petit Aladdin, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je voudrais devenir un pénis, maman. Un putain de pénis avec des poils aux jambes, maman. Un putain de pénis, maman. Oh, mais non! Non! Arrêtez de détruire nos enfants comme ça! On nous a menti pendant tout ce temps. Nous avons Mario. Elle veut lui retirer sa casquette de Mario et... C'est un show! On dirait les darons du bled. Oh. Non, parce que la dernière fois, quand j'ai dit on dirait les darons du bled, tout le monde m'a dit « Mais t'as pas de bled, la France, c'est pas un bled !» Parce que ça, c'est le drapeau de la France, peut-être. Je vous laisse deviner en commentaire quel drapeau c'est. Et donc c'est un bled comme un autre. De toute façon, un daron du bled, c'est un daron du bled, hein. Que tu viennes de Papouasie occidentale, du Groenland. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pense à t'abonner, pense aussi ton petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je vous dis, prenez soin de vous, c'était Rick and Sunboy tout le monde. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.